Bonjour à tous. Nous avons passé une excellente nuit dans ce chalet, cette petite maison qui nous a été offerte cette nuit par Christine. Hier soir, c'était Joël. Ce soir, ce sera encore Joël dans son camping-car. Donc, merci à tous les deux de penser à notre bien-être. Je tiens à remercier aussi chaleureusement Patrick, le responsable de Christine, qui nous a fait un carton de soupe en sachet. Alors, ce n'est pas du sachet déshydraté, c'est liquide, mais c'est en poche, donc pratique à mettre dans le sac. C'est un carton, donc il y a du poids. Merci Patrick d'avoir pensé à nous réchauffer le soir en mangeant. On pensera à toi chaque fois qu'on mangera une soupe. Voilà, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vais finir de me préparer. Je vais surtout me couvrir parce que là, il fait froid. Le ciel est bien dégagé. On a eu un magnifique lever de soleil. Et nous avons la montagne qui est derrière aussi. C'est vraiment beau. On est dans une très, très belle région. Et nous avons la chance d'avoir un ciel extrêmement dégagé. Donc, je pense qu'il va faire chaud aujourd'hui. Froid ce matin, mais chaud aujourd'hui. Bonne journée à tous. Bon dimanche. Bisous, bisous. Le chalet où nous avons dormi tous les cinq, on a super bien dormi. C'était calme, regardez ça. Et voilà la vue qu'on a ce matin depuis le petit déjeuner qu'on a pris. Le soleil se lève derrière les montagnes. Oh, je ne sais pas si je vais pouvoir le prendre. Ouais, il est là. Ah, encore un autre. Voilà, nous avons les montagnes là-bas au fond. Coucou, c'est parti. Je vais rejoindre Francis. Christine et Sébastien sont partis rapporter la clé du chalet. Joël est en train de ranger le camping-car et toutes les provisions et tout qui reste. Alors aujourd'hui, nous allons marcher avec Christine et Sébastien. Il n'y a pas beaucoup de chemins différents. On va à Buzy à 17 km. Donc, ce sera la même route. On va rester tous les quatre ensemble. Et il y aura peut-être moins de vidéos. Voilà, parce que bon, on va rester avec les personnes qui nous ont accueillis, aidés. Voilà, on va profiter de ce moment où on sera avec eux. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard.
Christine et Sébastien sont partis. Ils n'habitent pas très loin de chez moi. Je pense qu'on se reverra bientôt. Putain, il faut que je m'approche, j'ai du mal. Ouais. Ah oh, oui, toi aussi. Hein? Ouais. Ouais. Vous êtes mignons tous les cinq là. Ouais. Alors ça veut dire quoi quand on tape du pied? Eh, c'est des mouches. Ouais. Ouais. Ah, et des orties. Désolée, j'étais dans les orties. À tous. Bon, mais je suis dans le camping-car de Joël. C'est là que je vais dormir ce soir. Christine et Sébastien sont partis après manger, en début d'après-midi. Et merci à eux d'être venus. Merci pour tout ce qu'ils nous ont offert. J'ai passé deux belles journées avec eux. Et ça fait toujours mal au cœur de voir partir les gens avec qui on a passé du bon temps. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous les deux, Christine et Sébastien. Voilà, donc là, on est avec Joël. Il y a la popote qui cuit, parce que bien entendu, avec Joël, on mange bien. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à demain. Demain, Joël s'en va. Ça va être dur là aussi. Bisous, bisous.